Hey yo, on part pour le deuxième donjon, Grim Battle. La vidéo va être un petit peu différente de la première, parce que je vais utiliser Mythic Dungeon Tools pour vous montrer tous les mobs qui sont dans le donjon. Et en même temps, le gameplay sera sur l'autre partie de l'écran, comme ça vous verrez en direct ce qui se passe. Normalement ça devrait être un petit peu plus court que la première, j'espère en tout cas, sinon je me ferai pas chier pour rien. Donc voilà, on est parti. Alors, Grim Battle, voici la gueule du donjon. Si vous faites un tout droit, que vous prenez que les packs qui sont obligatoires sur le chemin, vous allez avoir 95% de trash. Donc il faudra faire un petit pack en plus sur le chemin pour pouvoir atteindre les 100%. On arrive dans le donjon sur le côté gauche ici et on va atterrir sur le premier pack qui est juste là. 3 mobs, donc en général on va vouloir pull le truc qui est après, et ça vous le verrez. On va avoir 2 brutes et une imploratrice en français. Alors désolé, le Mythic Dungeon Tool est en anglais, des fois il se met en français, des fois il reste en anglais, je sais pas pourquoi. Ici on a les spells en français, mais le nom du mob est en anglais. Normalement sur le gameplay qui est sur le côté de l'écran, le jeu est en français. Encore une fois, petit disclaimer, mon jeu est en français sur le gameplay, faites pas trop gaffe comment je joue, parce que bah du coup mes macros sont en anglais. Et du coup, vu que le jeu est en français, ça fout un peu la merde, donc je galère. Bref, on retourne aux explications. Ici, le mob le plus important dans le pack, c'est l'imploratrice, et on va le retrouver tout le long du donjon, mais principalement dans la première aile. Le spell à kick important, c'est la secousse de masse, qui va faire des dégâts d'un coup, puis va laisser un dot, et plutôt mal. Donc le healer devra healer énormément, et c'est vraiment chiant, surtout que c'est juste un kick à faire, donc c'est pas très compliqué. Le deuxième sort, c'est le trait de terre, c'est juste un sort basique qui va caster quelques damage sur quelqu'un. C'est pas vraiment très important de le kick, mais si on peut le faire, c'est toujours mieux. En deuxième ici on a les deux brutes. Alors les deux brutes c'est plus un mob de tank. Sur le platter j'ai toujours pas mis de couleur pour les mobs qui ont des trucs spéciaux pour les tanks. Donc si vous êtes tank ou healer, parce que du coup ça va de pair, faites attention. Ici elles sont toujours rouge pâle, parce qu'il n'y a pas vraiment, j'ai pas envie de mettre trop de couleurs pour pas abuser. Encore une fois, petite parenthèse sur le platter, tout le principe de faire ces vidéos c'est justement que vous utilisiez un platter, donc que ce soit le mien ou celui de n'importe qui d'autre, on s'en fout, c'est pas vraiment le but, le problème. Il faut juste que vous en utilisiez un pour pouvoir avoir des réflexes et une visu plus rapide sur ce qu'il faut faire sur ces mobs là. Donc moi par exemple ici c'est le mob le clair on kick, ok. À côté on va avoir les deux brutes, donc les deux brutes on sait qu'on n'aura pas forcément de mécanique spéciale à gérer en tant que DPS, on pourra pas faire spécialement grand chose. Donc la brute elle fait quoi? La brute elle va taper le tank assez fort et en même temps elle va faire un piétinement qui va faire tomber des caillasses et qui va faire énormément de dégâts si vous êtes dedans. On dodge les petites merdes au sol, sinon bah on meurt tout simplement. On avance dans le donjon, mob violet, le dragon, donc mob avec des mécaniques un petit peu spéciales. On va avoir deux mécaniques notables. La première c'est la flamme du crépuscule. Il va viser un joueur, déposer un debuff dessus qui va faire des dégâts et en plus, 2 secondes, il y aura une flaque qui va tomber sous les pieds du joueur. Donc c'est un peu casse-couille, on va pas se mentir, surtout pour la raison suivante. L'autre sort qui va être casté, c'est le vent ombreux. Donc il va faire une zone autour de lui, qui va être casté, 3 secondes 7. Une fois que c'est passé, vous allez être repoussé en arrière et prendre des dégâts. Ce sort là, vous pouvez le LOS, donc vous cacher derrière un mur pour ne pas prendre les dégâts ni le bump. Sauf que si le joueur qui a la flamme du crépuscule dépose ses merdes au sol à l'endroit où il faut LOS, c'est embêtant. Donc essayez de pas déposer le caca derrière le mur, déposez le ailleurs, et une fois qu'il faut se cacher, c'est propre, d'accord. En général, les deux premiers packs on les prend ensemble parce que juste 3 mobs c'est un peu de la merde. On avance et on va tomber sur le dernier mob de cette première aile qui va jusqu'au premier boss au fond ici. Et ce premier mob, enfin ce dernier mob, c'est le surveillant, qui est dans un pack avec une brute et une impératrice, enfin une imploratrice. Le surveillant, ce qu'il va faire, c'est aussi un mob de tank, il va taper le tank et lui mettre un debuff de 20% de dégâts physiques subis. Le tank prendra 20% de dégâts en plus. Deuxième chose, c'est un cast qui n'est pas interruptible, et ce mob ne peut pas être déplacé ni stun, donc il sera obligé de passer, et ça va augmenter les dégâts de ses alliés de 20%, mais par contre ils vont subir 10% de plus, donc si c'est cool, si vous survivez à ça, bah en fait vous pourrez tomber le pack encore plus vite. Là c'est tout ce qu'il y a pour la première aile, mis à part un dernier petit truc. Quand on avance encore un petit peu dans le donjon, on va faire ces deux packs là plus le surveillant et on va avoir un RP qui va être activé, le RP des dragons. Alors les dragons, une fois que le RP est activé, on monte dessus, ils vont faire un aller-retour en volant jusque derrière à l'aile 3 ici et ils vont revenir jusque là où vous les avez pris. Vous êtes sur le dos du Drake, vous avez deux sorts, un avec quelques charges, je crois 3, ce que vous pouvez spammer. Ces sorts là vous permettent de tirer sur les packs de mobs au fur et à mesure que vous avancez et quand vous revenez. Comme ça, une partie du donjon sera clear et vous n'aurez pas à aller le DPS. Normalement, si vous avez une route qui est bien faite, vous avez écrit quel pack il va falloir focus à mort pour pouvoir le tomber et tomber les mobs 100% qu'il y a dedans. Comme ça, ça évitera de se taper contre des mobs qui ont 30% d'HP, de taper des CD dedans et de perdre du temps. Je pense que c'est
ce qui est plus viable. Par exemple, vous allez focus un pack sur deux pour pouvoir le down. Okay, peut-être que c'est pas le cas, on verra bien dans les routes qui seront proposées. On avance et on continue jusqu'au premier boss. Alors le premier boss, le général Umbris, il a 4 mécaniques et c'est pas un boss très compliqué. Il va juste falloir être un petit peu ordonné. Quand on va rentrer sur le boss, il va faire pour la première fois rugissement de commandement. C'est simplement un dégât AOE, donc à healer tout simplement. La deuxième chose qu'il va faire, c'est que vous allez voir des dragons qui vont faire des AOE sur le sol et il y aura un seul safe spot. Donc il y aura 4 lignes dont une qui est safe. Il va juste falloir déplacer le boss dans cet endroit qui est safe pour pas se faire cracher dessus tout simplement comme dans le hall des valeureux, sauf que c'est encore plus simple parce que les zones sont très très fines et très visibles. Une fois que les dragons sont passés ou juste avant qu'ils finissent de passer, il va commencer à incanter pointe rocheuse. Ça va être ciblé sur 3 joueurs je crois, et vous allez avoir une grosse AOE autour de vous, donc la mettez pas sur vos potes, sinon ça leur fait des dégâts. Et quand l'AOE se termine, vous allez prendre des dégâts, être bump vers l'avant, et en même temps déposer une flaque au sol. Alors cette flaque, essayez de la mettre au bord de la map, parce qu'en fait si vous êtes en tyrannique, vous allez vite manquer de place. Surtout qu'il va falloir garder les safe zones pour pouvoir esquiver les drakes, donc faites attention, déposez vos pointes au bon endroit. Et dernière mécanique, c'est le casse-crâne, c'est juste un truc pour le tank, pour pas qu'il se fasse chier. Le boss va lui taper plusieurs fois sur la gueule, ça va lui mettre un saignement qui se stack, et donc il va prendre quelques dégâts. Donc là-dessus, c'est le CD défensif, y a pas grand-chose d'autre à dire. Le boss va faire une rota de ces 4 spells-là, et il faut l'enchaîner, puis le tuer, quoi, tout simplement. Donc une fois que le boss est mort, on va passer le petit couloir, et on va arriver dans la partie 2. Dans cette partie 2, on va avoir le centre de la map qui va nous cracher du feu tout le temps. Donc faites attention à vos pieds, il y aura tout le temps des petites merdes au sol à éviter, et... C'est là que c'est compliqué, c'est qu'en fait on rentre dans une partie du donjon où il y a des mobs qui stun. Donc si vous êtes stun et que vous prenez l'AOE, vous êtes probablement mort. Premier pack, on va avoir les mobs qui s'appellent les imposteurs. Alors les imposteurs sont des mobs bleus chez moi, donc mob bleu dit mob à kick absolument. Ils vont faire le spell qui s'appelle incandescence de l'esprit. Un spell qui a 1 seconde 4 de cast, et une fois qu'il est passé, pendant 5 secondes, il va canaliser son sort, donc on le voit sur la barre de cast, hein, sur qui il tire, et ce jour-là sera stun pendant 5 secondes. Donc on peut kick, on peut pousser, on peut stun, etc. Si vous voulez le stun, attendez que la canalisation soit démarrée, comme ça le spell rentre en CD. Si vous le faites pendant le cast, le spell ne rentrera pas en CD et il le recastera dès qu'il est plus stun. Okay, donc les imposteurs, on va en avoir beaucoup dans cette partie du donjon. Il faut absolument kick ce spell parce que si vous vous retrouvez stun dans une AOE ou dans un frontal, c'est la mort assurée. Faites attention à ça. Le reste, c'est pas forcément très important. Le trait d'ombre aux flammes, c'est le sort des casteurs des donjons qui peut s'appeler boule de feu pour tous les mobs. Parce qu'en fait, au final, c'est juste un petit dégât qui passe. Donc si on a un kick en rab, on peut l'utiliser. Si on le kick pas, c'est pas extrêmement grave. Après, il y a beaucoup de mobs comme ça, donc... Si on peut les kick, c'est quand même mieux. Deuxième mob, on va avoir le géant de lave. Donc le géant de lave, il est pas compliqué, il va être juste un peu chiant. Il va mettre une grosse droite au tank, voilà, c'est un petit peu tout hein, pour le tank. Et il va faire ruée en fusion. Ça va être une AOE de dégâts qui va laisser un debuff sur tout le monde, qui va augmenter les dégâts de feu subis. Donc ça justement, ça va de pair ou de ce que tu veux avec tous les autres trucs. Le stun, les flammes que la map elle te balance, ça augmente le potentiel de one shot. Et on va avoir sur le prochain pack, le dernier mob de l'aile numéro 2 du donjon. Le tranche flamme, alors c'est un mob vert chez moi, un mob vert égale frontal, voix flamboyante ici on peut le voir sur le Mythic Dungeon Tool. Il va caster son spell pendant un plutôt long moment. Une fois que le spell est casté, il y aura des AOE en ligne qui vont être au sol et qui vont spawn au fur et à mesure. Si vous faites stun, il y a de grandes chances que le mob se retourne vers vous et fasse le frontal. Ou le frontal est ciblé sur un joueur, il n'est pas ciblé sur le tank. Et comme on a les imposteurs en général dans ce pack, dans les packs qui ont en flamme, on va souvent avoir ce combo de stun into frontal. Donc on peut le cesser, on peut faire tout ce qu'on veut sur ce mob. Ce spell là n'est pas interruptible, on peut le pousser tout ça pour l'arrêter au cas où il y a un mec en galère. Si personne n'est en galère, il n'y a aucun intérêt d'utiliser un CC pour lui, parce qu'en fait il va simplement arrêter de faire ses dégâts au tank et faire son frontal. C'est tout bénef pour vous si vous arrivez à l'éviter. Voilà, ça c'est l'aile numéro 2. On a fait le tour de tous les mobs, maintenant on va passer au boss. Alors le boss, sa mécanique c'est qu'il va crafter des armes en combat et utiliser cette arme sur une certaine mécanique. Il va en faire 3 et les enchaîner tout le temps dans le même ordre. Donc il va commencer par forger une hache. Chaque fois qu'il va forger une arme, il va pulser des dégâts en AOE sur le groupe. Donc à healer, ça fait plutôt mal, mais en général ça tue pas. C'est pas un truc qui enlève 100% de la vie, même en plus 10 je crois. C'est vraiment limite de tuer quelqu'un, mais si vous avez le stuff ça tue pas. Et potentiellement aussi, petite piqûre de rappel, utilisez vos CDDF quand vous savez qu'il y a un damage qui arrive. Donc là par exemple, à chaque fois que vous voyez forge hache, hop, un petit set défensif pour éviter que votre heal galère. Donc une fois que la hache est forgée, celle qu'il va avoir c'est enchaînement ardent. Enchaînement ardent, ça va être un cône qui va cibler sur un joueur au pif
Quand ce cône-là va passer, donc dans tous les cas il passera, ça laissera une flaque de lave au sol en cône. Donc le principe c'est d'essayer de le bait sur un des côtés de la map et pas le long du chemin. Donc vous allez laisser une grosse flaque de merde au sol et vous allez vite manquer de place. De toute façon, c'est un petit peu la signature du donjon, c'est la place sur les boss parce que ça va être que ça. Donc on essaie de bait au bon endroit, une fois qu'il passe, on l'évite et pas grand chose de plus. Deuxième fois, il va incanter sa deuxième arme, ça va être forge épée. Pulse AOE, damage, donc on heal. Une fois qu'il a l'épée, il va faire rafale en fusion. Rafale en fusion, là les heals et les tanks, vous devez vous tenir prêt parce qu'en fait c'est là que le tank il va se faire déchirer. Le boss va mettre des coups pendant 6 secondes, donc il va en mettre je crois environ 6. Un par seconde, qui met beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc si vous vous êtes pas prêt et que vous n'avez pas de CD défensif, vous êtes mort. Une fois que vous avez tenu ça, il va invoquer sa troisième arme, et la troisième arme, c'est le forge de la masse. Donc encore une fois, pulse AOE damage, et quand il a la masse dans les mains, il va faire masse en fusion. Le tank ou le camp. Sinon, t'es mort. Peu importe, CD ou pas, si tu mets deux patates, t'es dead. Même une seule, parce que plus 1000% de dégâts mêlés, j'ai pas eu l'occasion d'être en donjon et de voir mon tank se faire taper dessus. Mais honnêtement, plus 1000% de dégâts mêlés, c'est-à-dire dégâts x10, pas top, ok? Donc, masse en fusion, tu vois le sort être casté, tu commences à courir. De toute façon, le boss il te rattrapera pas et t'as de la place si tes DPS ont pas mis les cônes de flamme n'importe comment. Et sinon, en permanence, il va pulse des dégâts, enfin il va pas pulse, mais il va faire des dégâts un petit peu sur tout le groupe pour que le healer se fasse pas chier et qu'il soit pas obligé de DPS en perma. Une fois qu'on a tué le boss, on va passer le couloir pour passer à l'aile numéro 3. Et l'aile numéro 3, c'est l'endroit qui est le plus dangereux du donjon, à mon sens. Parce que là, on va avoir que des nouveaux mobs et des mobs qui combattent plutôt de manière sale. Alors, on va retrouver dans le premier pack que vous allez faire et un des packs à côté, l'imposteur. Donc l'imposteur, toujours mob bleu, celui qui stun avec son spell à kick. Donc, vous savez ce qu'il faut faire. On va retrouver aussi le tranche-flamme, donc le mob qui fait son cône. Pareil, on évite le frontal. Les nouveaux mobs qu'on va avoir, ça va être ici, Enforcer, le Massacreur. Donc ce Massacreur, c'est un mob pour les tanks. Il va faire un truc, c'est qu'à chaque fois qu'il va auto-attaque, il va augmenter sa vitesse d'attaque de 30% et c'est stackable 10 fois. Donc à la fin, ça devient un destroyer de Lost Ark qui va vous péter la gueule. Ce mob-là, il peut être kaité facilement, il peut être stun, machin, il n'y a aucun souci. Et le buff, il dure que 2 secondes. Donc même un CC de zone va lui enlever le buff et il va devoir le restack. Il se stack plutôt vite, mais c'est toujours bien de mettre un petit stun de zone quand il arrive vers 6-7 stacks. Comme ça, il retombe à 0 et vous mettez votre tank dans une position un petit peu moins galère. Ça, c'est tout pour le massacreur. Ensuite, on va avoir les démonistes. Alors, les démonistes, c'est des mobs de bâtards et ils vont être là souvent dans cette aile. Ils vont potentiellement être une des raisons pour lesquelles vous wipez parce qu'en fait, ils vont faire ombre flamme enveloppante. Alors, c'est marqué que c'est interruptible, ça ne l'est pas. Le trait d'ombre flamme est interruptible, mais l'ombre flamme enveloppante ne l'est pas. On peut le voir sur le plateur, barre de cast grise. Par contre, le spell est stunable. Voilà, le mob est stunable, pour ça, tout ça. Mais sauf qu'il va, comme dans tous les donjons de The War Within maintenant, un spell qui est en cast et qui est stun sera recast immédiatement après. On peut simplement le délayer, mais pas l'interrompre. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce mob-là, il va caster ce truc-là. Et ça va foutre un debuff de soin sur la personne ciblée. Et c'est super chiant. Parce qu'en fait, on a pas mal de damage autour, qui sont, pour la plupart des cas, pas évitable. Et avoir ce debuff de soin là va faire en sorte que vous en tant que healer, il va falloir vraiment pump le heal, sinon bah, vos DPS vont juste crever. Alors ce qui est possible aussi, c'est d'attendre la fin du debuff. Souvent c'est ce qui est fait si vous vous démerdez bien avec les mobs, parce que 16 secondes c'est long, mais des fois il se peut que le debuff arrive à la fin et que vous l'ayez pas out heal. Si vos DPS prennent pas trop de damage, ça peut passer. Donc ça peut être un des trucs qui est très dangereux. Okay. Et ensuite on a le mob le plus dangereux de tout cet endroit, c'est les lava benders, donc en français c'est les tourne-laves. Ils vont faire plusieurs trucs. Donc ils vont faire aussi un frontal, une grosse zone rouge à éviter. Vous avez le temps parce que de toute façon elle met plus de 2 secondes à être castée. Par contre, petite spécificité, ce mob là, des fois le frontal clip avec le sol, le visuel. Donc on le voit pas avant fin du cast. Donc des fois vous allez vous rendre compte que vous voyez le cône, vous vous dites j'ai le temps de finir mon cast, mais en fait non, il était déjà en train de le caster il y a une seconde, et du coup faut bouger. Donc petit conseil, vous voyez le truc, déplacez-vous instantanément, finissez pas votre cast, sinon vous êtes potentiellement mort. Ou alors si vous voyez la barre de cast du mob à l'avance, vous êtes safe. Deuxième truc, c'est l'éruption sombre, il va mettre des AOE autour de tous les joueurs qui vont péter et faire des damage. Ne faites pas avec vos potes, sinon bah, ça fait encore plus de dégâts, c'est un peu chiant. Alors, arrivé à 50%, ce mob là, il va être chiant. Il va faire l'humation, ça va lui faire une grosse AOE autour de lui, si vous la prenez, vous êtes probablement mort aussi. Parce que déjà en mythique 0, ça fait très très mal. Et pendant toute la durée de ses 50% jusqu'à ce qu'il meure, il va pulse de l'AOE et faire plutôt mal. Donc à partir de 50%, ce mob là doit être focus
et tomber rapidement, sinon ça peut être une vraie galère. Surtout plus tard dans le donjon, juste avant le troisième boss, ici, on va avoir deux lavabenders en même temps dans le même pack. Comme juste avant le premier boss des mists, on va avoir deux mobs qui arrivent à 50% font une mécanique AOE. On veut surtout pas qu'ils arrivent à 50% en même temps, sinon ça cause un wipe. Donc on va focus un des deux mobs avec une TDM, le mettre à 50% puis le tomber à 0, et le deuxième on le passe à 50% puis on le met à 0. Comme ça on évite l'overlap de mécanique vraiment dégueulasse. On a fait le tour de tous les mobs, donc on va passer au troisième boss. Alors le troisième boss, vous avez encore une fois de la place pour vous battre. Il va être là tout seul, donc Draga va être devant vous. Ne claquez pas vos CD dès le début du combat parce qu'il va partir assez vite. En général, vous n'avez pas le temps de l'utiliser en entier, et surtout qu'il met très longtemps à revenir, donc il est vraiment casse-couille. Le boss va faire plusieurs mécaniques. Donc au début, il va faire malédiction d'entropie, donc il va mettre un debuff de soin sur n'importe qui et réduire sa vitesse de déplacement. Un peu chiant, vous allez voir pourquoi. En même temps, quand il n'est pas sur son dragon, il va spawn un ad qui va sortir d'un portail et courir après un joueur. Donc il va falloir tuer cet ad, sinon dégâts sur le groupe, potentiel mort. Le mec qui est ciblé, évidemment, il va pas taper l'ad, sauf si c'est un range, il n'y a pas de problème, mais si c'est un mêlé, il va pas le courir dessus. C'est pas bête. Une fois que le boss monte sur son drake, il invoquera deux ad et plus un seul, ok? Il en invoquera deux, qui suivront deux joueurs en général différents. Il castera toujours sa malédiction d'entropie, mais en même temps, on va avoir le Drake qui aura des mécaniques. Alors, une mécanique qui combote avec les ads qui vous focus, c'est la rafale du crépuscule. Le Drake va se mettre à caster un spell qui repousse et qui en même temps, à la fin de son cast, va vous bump et faire des dégâts. Donc si vous êtes entre le boss et l'ad qui vous focus, vous allez être mort, parce que du coup, il va vous repousser sur l'ad qui va vous choper. Okay, donc positionnez-vous correctement de l'autre côté du boss pour qu'il vous pousse loin de l'ad. Et pas vers l'ad, d'accord. Une fois qu'il aura casté sa rafale du crépuscule, il y aura des tornades un petit peu partout sur la map, donc encore une fois, un petit problème de place. Il n'est pas aussi significatif que les autres, mais ça fait toujours chier, elles font plutôt mal. Vous évitez de les prendre, ça évite à votre heal de vous healer, et il peut DPS du coup à la place, ça gagne du temps. Donc faites attention aux tornades, elles se déplacent de manière un peu erratique, sans trop de patterns prédéfinis. Et voilà, c'est à peu près tout. On DPS les ad, on se fait pas bump vers eux. On les tue, on peut les cesser, leur mettre un piège de givre pour les cesser pendant une minute, ça y a pas de problème, mais par contre faudra le réappliquer, hein, faut pas oublier. Donc ce genre de choses fonctionne. Une fois que le boss est terminé, on passe à la fin du donjon, donc on va dire l'aile numéro 4, c'est le dernier couloir, ici avec deux nouveaux mobs. Donc on retrouve un Drake, comme au tout début du donjon, qui va nous faire son dégât AOE et les flaques qui vont être sous vos pieds. Mais en même temps, on va avoir ici les juvéniles. Alors ces juvéniles là, c'est pas des mobs très compliqués, jusqu'à leur mort ils vont vous foutre un debuff, et ce debuff va stacker le nombre de mobs qu'il y a. Ce debuff va augmenter vos dégâts subis d'ombre de 10%, c'est pas 5 comme le tooltip l'indique, en tout cas en mythique 0 c'était 10, parce que dans ces packs là on a 8 mobs et en général on arrive à 80% de dégâts subis en plus. Donc ça, faites attention, c'est une source de mort. Si vous tuez tous ces mobs là en même temps que vous faites le Drake, et que le Drake vous fait le vent ombreux et que vous ne le LOS pas, vous n'allez pas vous cacher, ben vous allez prendre 80% de dégâts en plus et peut-être mort, ok? Donc faites attention à ça, on tue ces mobs là, on prend un debuff de 80% de dégâts supplémentaires, on sait que là, s'il y a un dégât qui passe, il va nous mettre cher, donc on met CD défensif, on essaye de loss le Drake pour pas se faire one shot. Jusqu'à la fin du donjon, ils vont être là ces merdes là. Donc le pack d'après, on va avoir les petits juvéniles ici et un corrupteur. Alors le corrupteur ici, il a énormément de choses parce qu'en fait c'est juste par rapport à Cataclysme, mais en gros il fait que deux choses dans le donjon. Il va faire transperceur d'esprit, c'est le premier truc qu'il va faire, vous allez arriver, il va commencer à mettre des AOE un petit peu partout. Ne soyez surtout pas dedans, sinon vous êtes mort. Vous allez être MC, vos potes vont péter la gueule et vous allez être dead, ok? Si par chance vous êtes pas mort, après 10 secondes normalement vous êtes libre, mais j'y crois pas. Deuxième sort, c'est la corruption. Donc il va cibler un mec au pif et lui canaliser des damages dans la gueule qui font vraiment mal, même sans debuff. C'est pas interruptible, le mob est pas poussable ni stunnable. Donc vous devez l'absorber, vous devez le prendre sur la gueule, mettre un CD défensif si c'est vous. Et le combo de merde, c'est que bah du coup sur ce pack, on a des juvéniles. Et les juvéniles vous mettent ce fameux debuff qui augmente les dégâts d'ombre et son spell corruption, c'est des dégâts d'ombre toutes les secondes pendant 6 secondes. Donc vous allez vous faire déchirer la gueule à cause de ça. Une petite technique qui est faisable, je sais pas si, enfin une technique qui est possible, mais je sais pas si elle sera faisable. On peut essayer de faire 0 AOE en rentrant sur ce mob, on funnel le corrupteur, une fois qu'il a fini de caster la corruption, on démarre l'AOE, comme ça on évite de prendre une corruption buffée. On AOE, on tue les ZAD et on continue de DPS le corrupteur. On va voir la même chose, un deuxième pack, le même. On aura encore une fois un troisième pack qui... cette fois-ci est doublé, donc on aura le double nombre de hatchlings, donc de juvéniles, et le double de corrupteurs. Donc ce pack-là est assez difficile. Mettez une TDM sur un des corrupteurs, faites un gros funnel dessus, pour pouvoir le tomber rapidement pour éviter qu'il caste des corruptions plusieurs fois, et en même temps, surtout parce que si un joueur prend deux corruptions sur la gueule en même temps, c'est mort, ok? Donc ayez un focus sur ces mobs. Et là on arrive
sur le dernier mob du donjon, le dernier boss, Erudax. Alors Erudax, il fait aussi 4 mécaniques, si je dis pas de bêtises, en boucle, qui sont plutôt chiantes. Le boss est assez difficile. La première chose qu'il va faire quand vous arrivez, c'est afflux de vide. Donc afflux de vide, il va faire un pulse AoE damage à heal. C'est pas mortel, mais ça peut l'être. Et en même temps, une fois qu'il a fini, il y aura des tentacules qui vont sortir du sol, un peu partout sur la map. Très chiant. Si vous marchez dedans, vous allez être stun et probablement mort. On a toujours les yeux ouverts, on regarde où on marche et on les évite. Il va faire de temps en temps écraser pour taper le tank et faire des dégâts plutôt modérés et en même temps le repousser. Donc positionnez-vous correctement. Ensuite, il va vous faire trombe d'ombre. Alors c'est une grosse AoE qui va se resserrer à un endroit de la map. Il va falloir être au centre de cette AoE pour ne pas prendre les dégâts. Et cette AoE est petite, donc il va falloir vous séparer parce que quand l'AoE elle s'est réduite au maximum, il va vous caster Corruption Abyssale sur 3 joueurs. Il va falloir essayer de trouver un spot pour pas être dans la zone de son pote et en même temps être safe. Et ça c'est le plus compliqué, c'est que vous avez très peu de place, des tentacules qui vous emmerdent et le boss qui est énorme, donc du coup on voit pas grand chose. Il faut essayer de se spread correctement et en même temps de pas marcher sur ses potes tout en restant dans la zone qui est très petite. Une fois que ça passe, la trombe s'enlève et il va invoquer des petits ZAD. Alors les petits ZAD c'est pareil, c'est les juvéniles. Le tank reprend l'aggro, une fois qu'ils meurent, ils mettent leur debuff de dégâts subis en plus. Et c'est en général, si on focus AD et qu'on blinde AoE à ce moment dès qu'ils arrivent, juste avant qu'ils fassent l'afflux de vide. Donc si les AD sont morts, on va avoir 80% de dégâts en plus sur l'afflux de vide et c'est plutôt chiant, là c'est mortel. Donc si on arrive comme avec les corrupteurs, on essaye de full focus boss et pas AoE tant qu'il a pas fini de cast l'afflux de vide. Une fois qu'il a fini, on finit les AD et on passe à la suite. Il va enchaîner ces spells là en boucle. De toute façon, vous connaissez tout, donc il va juste enchaîner, vous allez juste à le tuer, et le donjon est terminé. Si vous avez fait un petit pack en plus, et que vous n'avez pas couru tout droit. Voilà, faites attention au mob qui stun plus au frontal, c'est un combo de merde. Donjon plutôt difficile, je ne l'aime pas trop, personnellement. Donc voilà, on se retrouvera très bientôt pour le prochain donjon. J'essaierai de faire un petit peu plus vite, du coup, parce que je suis bien en retard. Les donjons sont déjà sortis, mais c'est pas grave, ça permet aux gens de se rendre compte que sans savoir ce que les mobs font, ça devient compliqué. Allez, à plus.